Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de suite et de second degré. On va revoir des méthodes qu'on a vues précédemment pour étudier les variations d'une suite et on va également revoir les nouvelles notions concernant les polynômes du second degré. Allez, go! On nous indique que la première suite qu'on va étudier, la suite définie par un égale n plus 1 sur n sur n étoiles, va nécessiter l'emploi de un plus 1 moins un, donc méthode où on étudie le signe. Alors on identifie bien évidemment la position de n, et donc un plus 1, c'est n plus 1 plus 1 sur n plus 1, moins, qui va porter sur toute la deuxième partie, n plus 1 sur n. Donc attention, on développe ce moins sur le n et sur le 1 sur n. Un petit peu de réduction. On va tout mettre au même dénominateur. Ce dénominateur commun, en fait, ça va être n fois n plus 1. Donc on multiplie en haut et en bas par les facteurs nécessaires. Le 1 sur 1 devient évidemment n fois n plus 1 sur n fois n plus 1. Le deuxième terme et le dernier. On ne touche surtout pas au dénominateur qui est parfait, on en reparle dans deux secondes. Et le numérateur, bah, un petit développement, n fois n et puis n fois 1. Et puis ce moins toujours qui porte sur n plus 1. Donc n carré plus n plus encore le n central moins n moins 1. Résultat final, n carré plus n moins 1 sur n fois n plus 1. Alors pourquoi le dénominateur est parfait? Parce qu'en fait, sachant que n est un nombre entier strictement positif, eh bien le dénominateur est positif. Donc finalement, étudier le signe de un plus 1 moins un revient à étudier le signe du polynôme du second degré n carré plus n moins 1. Alors, la question est assez riche, il y a beaucoup de choses, c'est parfait, on va pouvoir tout réviser. On commence par étudier les variations de ce polynôme pour voir comment il évolue. Donc on soigne la rédaction, c'est un polynôme du second degré de la forme an carré plus bn plus c ou ax carré plus bx plus c comme vous le voulez. On précise les coefs sans se tromper. Et donc on s'intéresse particulièrement à petit a qui ici est positif, ce qui veut dire que votre polynôme admet un minimum. Tête en bas donc. Et ce minimum, on sait qu'il est atteint en moins b sur 2a. On fait l'application numérique sans se tromper également. Ça fait moins 1 sur 2 fois 1 en moins 0,5. Que vaut-il ce minimum? Donc en gros, quelles sont les coordonnées du minimum? Eh bien, l'ordonnée, c'est moins 0,5 au carré plus moins 0,5 moins 1. En gros, si mon polynôme s'appelait f, ce serait f de moins 0,5. On obtient moins 1,5. Donc, petit tableau de variation histoire d'avoir un visuel de la situation. Déjà décroissant sur moins l'infini moins 0,5, puis croissant sur moins 0,5 plus l'infini. Donc on a déjà les variations, certes, nous on cherchait le signe. Donc on va calculer les racines éventuelles. Pour ça, on a besoin du discriminant delta. On le précise, il vaut b carré moins 4ac et on remplace. On trouve un delta égal à 5 strictement positif, ce qui signifie qu'il y a deux racines réelles que l'on va calculer. On va les appeler x1 et x2, donc moins b plus racine de delta sur 2a pour la première, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 2. La valeur approximative, c'est à peu près 0,62 ou 618 si vous préférez. Et la deuxième, la formule est pratiquement identique, attention au moins, on trouve moins 1,62. Et donc, si je résume tout ça sur un dessin, en fait, j'ai ma parabole qui ressemble approximativement à ça, deux racines, x1, x2, et on cherche son signe. Son signe, c'est sa position par rapport à l'axe des abscisses, donc elle va être positive ici, et négative sur cette petite partie. Donc en fait, on va pouvoir dire, puisque nous, les n qui nous intéressent sont positifs, on est sur la partie R+, enfin en tout cas une partie de R+, ça sera positive à partir de 1, puisque 1, c'est l'entier juste après 0,62. Conclusion, un plus 1 moins un va être positif à partir de 1. Donc notre suite un va être croissante, c'est ça, à partir de 1. Vraiment important, les formules, je les encadre à retenir. Et là, c'était hyper complet, donc assez difficile. Le deuxième, un peu plus léger finalement, puisque là, vous avez une suite, toujours, mais on vous dit d'étudier les variations de la fonction telle que un égale f de n. Cette fonction, c'est évidemment f de x égale 2x carré moins 7x moins 2. Donc ici, pas de delta, on va juste étudier les variations comme précédemment.
On a fait delta dans la dernière, dans la question précédente pour avoir une idée du signe. Ici, pas question de signe, on parle de variation. Donc le 2, c'est A, moins 7, c'est B, moins 2, c'est C. Comme précédemment, la rédaction doit être calée. Et F admet un minimum parce que A est positif également. Ce minimum, il est atteint en moins B sur 2A, ce qui donne ici 1,75. Que vaut-il ? Eh bien, on fait F de 1,75 à la calculatrice. Et on ne se trompe pas comme moi. En fait, on trouve moins 8,125. La preuve. Le petit tableau de variation qui va bien. Et donc, décroissante sur moins l'infini 1,75, croissante sur 1,75 plus l'infini. Nous, on parle de suite, évidemment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est sur 0 plus l'infini, en tout cas sur n. Donc, en fait, elle va être croissante à partir de 2. On tire directement des variations de f, les variations de un. Voilà pour cet exercice. Allez, à bientôt!